Chesterfield Park est enfin loué. Vous n'avez pas envie de savoir qui s'y installe? Je suis déjà allé voir. Est-il aimable? Est-il joli garçon? C'est immédiat! Absolument. Ah, il est là, il est à la porte! Oh mon Dieu, essayez d'avoir toute une attitude naturelle. Monsieur Collins, pour vous servir. Les sœurs Bennett cherchaient un mari. Seul un amour profond pourrait me convaincre de me marier. Monsieur Collins, ma sincérité m'interdit d'agréer cette demande. Mais Elizabeth Bennett voulait bien plus encore. Nous allons faire entendre raison à cette tête de linotte. Lui, c'est Monsieur Darcy. Monsieur Darcy. Il est trop... Trop quoi? Il est trop riche. Vous devez lui rendre visite au plus vite. Madame Bennett, Miss Jane Bennett, Elizabeth et Miss Mary Bennett. Vous dansez, Monsieur Darcy? Pas si je peux y échapper. Vous êtes étrange. Je n'ai pas le talent de converser avec des personnes qui me sont inconnues. Entraînez-vous. M'accorderiez-vous la prochaine danse, Miss Elizabeth? Cela m'embarrasserait, j'ai juré de le mépriser pour l'éternité. Je vous l'accorde. Qu'avez-vous donc fait à ce pauvre Monsieur Darcy? Je n'en ai aucune idée. Monsieur Darcy est fiancé à mon unique fille. Croyez-vous vraiment qu'il puisse être remis en question par une jeune fille de petite condition? Je me suis trompée. J'ai manqué de bon sens. Et lui de discernement. Lorsque nous aimons, nous sommes tous idiots. Vous êtes le dernier homme avec qui j'accepterai de me marier.